Le groupe Cambacérès réunit une centaine de hauts fonctionnaires de droite et de gauche, tous issus de l'ENA. En intégrant cette école, nous avons choisi de servir l'État et l'intérêt général pour servir la France et les Français. C'est cet engagement-là qui motive et justifie notre interpellation. Car la loi Taubira, qui établit de facto un mensonge d'État, porte gravement atteinte à l'intérêt général. Sa légalité n'est malheureusement plus contestable, mais nous continuons de contester sa légitimité. Présentée au nom de l'égalité des adultes, elle crée par une fiction juridique une inégalité entre les enfants et instaure un droit à l'enfant. Quoi qu'en dise le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme aura bientôt fait de nous rappeler que la non-discrimination s'impose. Et nul pouvoir judiciaire, exécutif ou législatif français ne pourra plus rien y faire. Or, en droit, la revendication d'égalité n'est légitime que lorsqu'elle porte sur des situations comparables. Et le Conseil constitutionnel lui-même, en 2011, a rappelé qu'il n'y avait pas égalité entre des couples composés d'un homme et d'une femme, ou de deux hommes ou de deux femmes. En l'état, ce texte invite à aller fabriquer des enfants à l'étranger, ce qui est inacceptable, en attendant de dénoncer l'injustice de la sélection par l'argent pour organiser le marché des enfants en France. Monsieur le Président de la République, où est l'intérêt général? Le texte ouvre aux personnes de même sexe l'adoption plénière. Ce régime rompt tout lien avec les parents génétiques. Or, en juin 2012, la Cour de cassation a qualifié l'altérité sexuelle de principe essentiel du droit français de la filiation. Cette loi Taubira inscrit dans le Code civil un mensonge d'État. Monsieur le Président de la République, où est l'intérêt général? Au nom de l'intérêt d'adulte en mal d'enfant, l'enfant adopté par deux hommes ou deux femmes sera deux fois privé de parents. Une première fois par la vie, une seconde fois par la loi. Monsieur le Président de la République, où est l'intérêt général? À cause de tout ce qu'il induit pour la vie et le statut des enfants, ce texte suscite une opposition pacifique, massive et croissante. Que le vote et la promulgation précipitée de la loi ne feront pas taire. Le mépris affiché à l'égard des manifestants et des veilleurs, caricaturés, traités de ringards, d'homophobes, d'extrémistes de tout poil, devient insupportable. Si rien n'est fait, nul ne sait jusqu'à quel point la cohésion nationale sera gravement et durablement ébranlée. Monsieur le Président de la République, où est l'intérêt général? Il n'est pas trop tard pour sortir de cette impasse. Une première solution existait dont vous aviez la clé. En application de l'article 3 de la Constitution, un référendum était possible. Vous avez craint de consulter le peuple. Nous le déplorons. Car de même que le sociologue Michel Crozier, décédé avant-hier, écrivez qu'on ne change pas de société par décret. Les Français qui se sont levés vous disent et vous redisent on ne change pas de civilisation par une simple loi votée par une majorité par nature temporaire. Non, l'État que nous servons ne peut pas tout se permettre. C'est la raison de notre intervention dans le débat public, malgré notre devoir de réserve. Il vous reste à écouter le peuple de France et à retirer ce texte. Monsieur le Président, vous déclariez en 2006, évoquant le CPE, il suffirait d'un mot, un seul, que le pouvoir hésite à prononcer, l'abrogation. Quand on a fait une erreur, disiez-vous, il faut savoir l'effacer. Et vous demandiez à quoi sert d'attendre la prochaine manifestation. Aujourd'hui, nous vous demandons à quoi sert de vous obstiner à déchirer le pays.